que je veux, les gens qui s'appellent la radio. On pense en point, on est tranquille, on tape des mains, on est mongol, on rajoute le pied, ok? On tape des mains, on tape du pied, let's go! En haut, je veux que ça résonne, je l'en goûte. C'est mongol, let's go, c'est combien de go? On tape des mains, on tape du pied, puis tout le monde, on se crie, ça fait belle, let's go! Là, arrêtez, Asti, il y en a plein qui participent pas, là. Je me suis dit, ça va rocker, t'es tout le monde en bédaine, bon, on se liche les bouts, là, pis... Vous êtes timide, hein? T'es pris par surprise, parce que là, il y a Pascal qui souhaite ça, on va applaudir Pascal, notre animateur, qui fait le très bel job, Pascal, merci beaucoup! Oui, 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 on se réveille un peu, là, oui! Hey, il est en feu, il me présente, là, j'ai... Ah, vous allez voir le prochain révélation, on a vu des bougons au nom de la loi Nouvelle-France. Moi, j'étais sur le bord, je l'écoutais, mais je me disais, Chris, de qui est-ce qu'il parle? J'ai joué là-dedans, mais si même moi, je me suis pas vu. Je suis content, moi, soir, les trucs, vous autres, l'Olympia, c'est plein, bravo, wow! Sinon, c'est le bon noir, il y a autant de monde qui ont bravé la température. C'est pas chaud de voir, hein? C'est moins 1000. C'est... Je sais pas ce qui se passe avec la température. Hein? Cette semaine, il faisait moins 1000. Il y a 3 semaines, il faisait 16, on joue au golf. Qu'est-ce qui se passe avec Mère Nature? Elle est en ménopause, là, elle est en chaleur, c'est quoi? Là? Tu sais, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai, la météo est rendue fuckée, ça arrête plus, là, je veux dire, tout le monde à matin, tout le monde s'en souvenait, là, c'est quand même un an et demi aujourd'hui, jour pour jour, là, que... Hein? Allô? Non, ça fait hey, un an et demi, là, qu'on a été touchés par la queue de Daniel, hein, pareil, là, c'est... Bon, OK, je parle de la queue de l'ouragan Daniel, là, OK? Non, non, ouais, je vais commencer mon show en disant, ouais, fait que Dan nous a vargé ça dans la face, là, mais là... Non, l'ouragan Daniel, parce que aux États-Unis, ils font ça, hein? Ils donnent des noms à leurs ouragans, ça fait longtemps. Ça a commencé il y a 50 ans. Ils prenaient le nom d'un politicien, là, ils donnaient ça à un ouragan, puis là, ils attendaient, ouais, ça faisait de la marde, là. Mais dis, on devrait faire ça au Québec, nous autres. Hein, nos tempêtes de neige, on devrait donner des noms de politiciens. Mais ça, on a ouais, Colette, arrive aux nouvelles, faire « Oui, Pierre, demain sur le Québec, ça battra la tempête Jean Charest. » On s'attend à quelque chose de gros, là. Sauf sûrement qu'il se passera rien, là. Pierre, on voulait que vous soyez prêts. Bon, la joke est pas drôle, mais c'est pas moi qui a dit, c'est Colette. C'est... Même ça, on aura Colette aussi encore, dire oui, Pierre, demain, une petite tempête de tapette, là, neigera pas vraiment, juste de la poudreuse, là. Hein? Bon, on a compris le principe avec Boisclair, là. Non, c'est vrai que les ouragans, pareil, c'est ce qui tient l'actualité. Depuis, ça fait 2 étés de fil. À tous les jours, on a une nouvelle, hein? Tu sais, c'était ouvert à la TV, puis à tous les jours, c'était ça, un ouragan. S'il te montrait de l'eau, tu changeais de poste, c'était de l'eau. Encore, on passe de l'eau, ou de l'eau, ou encore de l'eau. Tu sais, moi, j'ai pas le câble, hein? Fait que j'avais le choix entre de l'eau ou de la neige. Nul qui a fait c'est plus que toi les autres. Hein? Quand tu parles d'ouragan, il y en a une qui te revient en tête. Tout le monde se rappelle de Katrina. Hein, celle-là, tu dis Katrina, automatiquement, tout le monde, ça te revient en tête. Là, le « Take the kayak and ram! » Là, c'est bizarre, parce que quand j'arrive, je parle d'ouragan, Katrina, il y a tout le monde qui est noir, dit « Martin, tu peux pas rire de ça, là! » Tu peux pas rire des États-Unis, c'est triste ce qui est arrivé là-bas, là, aux États-Unis. Tu peux pas rire des Américains comme ça, là. Pourquoi? Tu sais, on peut pas rire des Américains. V'là 2 ans, tout le monde les haïssait, les Américains. Hein? La guerre dans le monde, le pétrole trop cher, le bois d'oeuvre, la vache folle. Là, tout d'un coup, ils mouillent une coupe de jour, là.
Là, ils font donc pitié. C'est quoi, cette mentalité-là? C'est comme si Mom Boucher, demain matin, pognait le cancer en prison. Hein, là, il agonise, il voit la mort de près, mais il s'accroche à la vie. Là, il s'en sort. Puis là, nous autres, on ferait « Ah, c'ti, pauvre Maurice, l'a pas eu facile. Hein? » Tu sais, quand tu y penses, là, Mom Boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé du monde, il a crossé du monde, il en a fait tuer, tu sais, comme les États-Unis. Bon, ce gag-là, il a peut-être pas l'air drôle de même, là, mais c'est engagé. Mais non, tantôt, tu vas t'aller dans ton char et tu vas te dire, « Ouais, il était fort, pareil, ce gars-là. Ah, ouais. Ah, oh, c'est pour un gars qui va se faire tirer, il game, hein, pareil. Hein, » Le pire, c'est quand j'entends le monde qui vient me dire « Non, t'as pas de cœur, c'est vraiment triste d'arriver, là. Je peux pas rire de ça, la Louisiane, hein, il y a eu 10 000 morts, là, puis... » Regarde, la Louisiane, je sais pas si tout le monde est au courant, mais la Louisiane, elle a été construite comme 8 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est parce, moi, je connais rien en niveau de mer, là. Je suis pourri niveau de mer, je te jure, je vaux pas de la marde en niveau de mer, là. Chris, il y a une chose que je sais, le niveau de la mer, c'est pas supposé, tu sais, la ligne.